Bonjour, monsieur. Bonjour, monsieur. Entrez. Bonjour, monsieur. Bonjour. Permettez-moi de vous débarrasser. Je vous suis très reconnaissante de m'accorder cet entretien. Oh, je vous en prie, c'est tout naturel. Mon épouse m'a fait part de vos difficultés. Ainsi, votre mari vous a abandonné ? Vous et vos trois enfants ? J'ai du mal à le croire. Mais parlons plutôt de vous. Que savez-vous faire ? Après mon baccalauréat, j'ai étudié le droit. Oui, c'était il y a 15 ans, ça vous plaît rien du tout. Autre chose depuis ? Mère au foyer, c'est un métier à plein temps. Métier tout à fait honorable, mais qui vous laisse sans ressources. Écoutez, je ne vous cacherai pas que votre situation familiale risque d'être un frein à votre embauche. Me sera difficile de convaincre ma direction. S'occuper d'un ménage enseigne la rigueur, l'organisation. Des qualités que l'on attend d'une secrétaire, n'est-ce pas? Ne vous inquiétez pas. Nous allons trouver un arrangement. Vous savez, je n'ai pas peur de me dévouer à la tâche. Bien. Très intéressant, ça. Votre CV est mince, mais vous m'êtes très sympathique. Je vous trouve même délicieuse. Derrière ce beau regard, je suis sûr qu'il y a une femme d'une grande intelligence. Je me trompe? Le métier de secrétaire comporte des tâches ingrates. Mais si vous savez vous adapter, faire preuve d'audace tout en restant discrète, je vous promets de vous embaucher. Vous ne serez pas déçu de m'avoir donné ma chance. Vous voulez boire quelque chose? Volontiers. Café, peut-être? Oui. La machine à café se trouve juste derrière moi. Vous rappellera. Tenez, mon petit. Vous patientez. Bonjour, asseyez-vous. Bonjour. Parlez-moi un peu de vous. J'ai mon diplôme de dactylo. Oui, j'ai vu, mais vous n'avez pas beaucoup d'expérience. Un an, c'est pas suffisant. Je connais quand même largement les bases. Vous pouvez me prendre à l'essai, vous verrez bien. Écoutez, votre CV est mince, mais vous m'êtes très sympathique. Et je vous trouve même plutôt jolie. C'est dommage de cacher tout ça sous un impair.
Vous savez, le métier de secrétaire comporte des tâches ingrates. Mais si vous savez vous adapter, faire preuve d'audace tout en restant discrète, je vous promets de vous embaucher. Les promesses. Toujours vos promesses. Je sais à quoi m'en tenir, hein. Ça va, je sais répondre au téléphone, hein. Prendre les rendez-vous, taper le courrier. J'y ai droit à ce travail. Oui, mais vous n'êtes pas la seule candidate. Allez, je suis sûr qu'on va trouver un arrangement. Vous voulez boire quelque chose? Un petit café, peut-être? Non, merci. Et tu peux pas me faire ça, hein? Tu crois quoi? C'est toi qui vas changer les choses? Non, je me laisse plus faire. Foutaise, t'as pas le choix, t'es obligé d'accepter. T'as besoin de ce travail pour vivre. Plutôt crever. Allez, c'est pas si désagréable. Sois gentil, regarde, ton contrat est sur la table. Mais si je portais plainte? Après tout ce que j'ai fait pour le travail des femmes? Non mais tu crois quoi? Tu te prends pour qui, hein? Et puis t'as pas toujours dit non, hein? T'as même tout fait pour me plaire. Et je suis sûr que même parfois t'aimais ça, pas vrai? Vous verrez un jour, vous le paierez! Comment? Dégage! Non mais je rêve. Portez plainte. Mais pour qui ils se prennent, ces bonnes femmes? C'est le monde à l'envers. Suivante! Bonjour. Je vous en prie, installez-vous. Parlez-moi un peu de vous. J'ai une licence en ressources humaines et plus de 5 ans d'expérience à un poste similaire à celui que vous proposez. J'ai les compétences que vous recherchez. Mes prétentions salariales s'élèvent à 170 KF brut par an, sans compter le 13e mois. Et je doute que ma direction accepte une pareille rémunération. Attendez. Je peux peut-être les convaincre. Si vous savez vous adapter aux conditions de travail, faire preuve d'initiative tout en restant discret. Vous êtes une maîtresse femme, vous. Et une dominante. J'aime. J'adore ça. Tant mieux. Voici mes conditions. Je peux me montrer très compréhensive si vous consentez à me satisfaire. Bien, très bien, ça. Et si j'allais trop loin? Non. Si mes initiatives étaient trop audacieuses? Non, je suis certain que nous sommes faits pour nous entendre. Vous croyez? Absolument. Je prendrais bien un petit café. Non, finalement, le café.